C'est pas mal. Ouais, bon, il faut aller un peu à la retraite. J'ai regardé et je n'ai pas trouvé. Désolé pour toi. Bon, le ciné, on a parlé en début d'émission. Eh bien, vous avez le classement. Il ne vous manque plus que les conseils pas chers de ce matin. Car allez, gagner de l'argent grâce au cinéma, c'est possible. Eh oui, c'est possible. C'est possible. Romano est un magicien. Quand il faut payer, il disparaît. Les conseils pas chers sur Skyrock. Je m'envole. Oui. Alors, les conseils pas chers, cinéma. Oui, cinéma ce matin. Ce matin, je vais appeler des familles, leur faire croire que je travaille dans un cinéma et que je peux les faire rentrer par la porte de derrière. Et contre... Bien un sûr, film de Clara Morgan, non? Non, pas forcément. Tous les films. Et je leur fais un petit abonnement à l'année à 50 euros. Ils m'appellent, ils me disent on veut rentrer au cinéma et hop, bon, c'est histoire de leur les soulager de 50 euros dès le lundi matin. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça, tranquillement. Bah après le beau week-end qu'on a passé, là, il fait tellement beau ce week-end, ça fait tellement plaisir. Allô. Les Français sont. Allô de bonne humeur. Oui. Allô, Laurent. C'est Laurent. Allô. Oui. Laurent, tu m'entends, Laurent? Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bah, ça va. Ça va, ça va. Dis donc, là, je travaille au cinéma, là, du coin, là. T'aimes bien, toi, le cinéma? Oui. Oui. Tu sais, la télé avec l'écran géant, là, dans les salles, avec du monde et tout. Oui, oui. C'est comme ouais. Si tu avais un salon géant également, un truc, ouais, avec plein d'amis dedans. Et ce que je voulais te dire, là, c'est que moi, vu que je travaille là-bas, tu sais, je peux te faire rentrer par la porte de derrière. Comme ça, ça te coûterait moins cher. Je vais te proposer un abonnement, 50 euros à l'année. Tu viens quand tu veux. Mais c'est qui, là? C'est Monsieur Lapin, je travaille au cinéma. Projectionniste. Et je suis ouvreuse aussi. Et ouvreuse. Je vends des pop-corn. Bon, je vais venir te voir, Lolo. De toute façon, t'es debout, là. Oui, oui, mais moi, je pars en déplacement. Donc, tu pars à quelle heure, là? Bah, à 6h30. À 6h30, bah, je suis là dans 5 minutes, à 6h20. Pour des places pas chères. Hein. À 6h20, et puis bon, au pire, et si tu t'en vas, je resterai avec ta femme. Hein. Ah oui, ça, c'est une radio, je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. Moi, j'arrive dans 5 minutes maximum, là. Prépare les 50 euros, puis je te fais ton abonnement à l'année. Hein. Comme ça, tu m'appelles quand tu veux venir, je te fais passer par la porte de derrière, et puis c'est parti, je t'installe VIP. Ouais, ok. Dans les marches de la salle et tout ça, quand c'est plein. Bon, bah, je t'embrasse, bisous. Allez, à tout à l'heure. Allez, bisous, allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon Lolo. Et il a pris rendez-vous quand même. Allez. Ah ouais. Allez, à tout à l'heure. Je pars en déplace pas. Je crois que c'est le coup de la porte de derrière qui m'a. Ah ouais, c'est ça, ça l'a intrigué. Ah ouais. Si, tiens, je vais en bien un deuxième du coup. Allez, tant qu'à faire. Allez, on va chez Fred. Tiens, je vais au ciné avec ma classe demain. On va voir un film tout pourri. Eh ben écoute, salut à toi, Geoffrey, qui vient de nous laisser un message sur SMS. Remets-nous des glaçons. Ah oui, Geoffrey, remets-nous des glaçons. Oui. Allô, d'humour. Alors, Fred. Oui. Oui, comment vas-tu? Ça va. Ça va, ça va. Et toi? Ça va. Ça va. Bon, dis-moi, je travaille au cinéma, là, du coin, là. Et je voulais te proposer, ce matin, je lance une petite combine. Tu me donnes un peu d'argent, je te fais rentrer par la porte des derrière, comme ça, ça te revient moins cher, les places de ciné. Tu vas au cinéma, toi, de temps en temps? Je sais plus ce que c'est comme radio, mais je t'ai déjà entendu. Ah, tu m'as déjà entendu. Ah, ouais. Ah, je suis trop connu, ouais, ça doit être ça. Ah, c'est ça, ouais, être une star. Bon, bah, Fred, alors je vais pas pouvoir t'arnaquer, toi. Eh ben non, c'est mort. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bien dommage. On a déjà arnaqué. C'est bien dommage. Eh ben, Skyrock te salue, Fred. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, salut, ben, les gars. C'est ça. Ben, salut, Fred. Eh, tu sais. Ah, ben, bon courage. Toi attends, quitte pas, on va t'envoyer un petit truc. J'ai un collègue qui va absolument te payer un cadeau. Ça marche. Non, mais ça, sans déconner, raccroche pas. Ok, ça roule. Il y a des malades compulsifs, ils offrent des cadeaux tout le temps. Oh, ouais, ils font un truc. Dès 6h du matin, ils arrêtent pas. Oh, vas-y, faut que je flaque du blé, là. Vas-y, quitte pas, Fred. Ouais, ça roule. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao. Salut, salut Fred. T'as vu Romano, hein? Ouais. Là, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. C'est ce que j'allais dire, la rançon de la gloire et les inconvénients de la notoriété d'escrocs. Et bon, ouais. Bah, en tout cas, j'en ai eu un sur deux, pas mal. Pas mal, ouais. C'est vrai, pas mal pour un lundi matin, là. 6h19. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end pour bien démarrer la semaine. Vous avez choisi Skyrock et vous avez bien fait. On a des cadeaux plein à vous filer. Des iPhone 6 à vous filer tout à l'heure. Et puis avant les iPhone 6, début des chèques de 1500 euros, bien sûr, on en parlait en tout début d'émission. Et avant les iPhone 6 et avant les 1500 euros. Dentiste tout de suite là. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors les familles le donnent à Romano. Eh oui, les ah bah, c'est bien gentil. Sur Skyrock. Les conseils pas chers sur Skyrock. Tous les matins, les meilleures idées pour gagner de l'argent. Et à 7h18, le test en direct. Eh le ouais. Dentiste à domicile, est-ce que ça peut marcher? Eh bah, j'espère bien que ça va marcher. Je fais contrôle bucco-dentaire. Alors, contrôle bucco-dentaire chez les familles. C'est parti. Allô, on va chez Philippe. Première famille demandée dans le cabinet dentaire, c'est Philippe. Allô, Fifi. Allô, ouais. Philippe. Ouais, Philippe. Ouais. Ouais, bonjour, comment ça va? Ouais, mais attends, j'imprime pas, c'est qui, là? Ah, bah, c'est le dentiste à l'appareil, là. Ce matin, je fais un contrôle bucco-dentaire de tous les habitants et je t'appelais pour que tu viennes me voir dans mon camion. J'ai aménagé un camion en cabinet dentaire.
Ouais. Ouais, parce que Lyon, j'ai ta femme m'a envoyé une photo de ta dentition. C'est pire qu'un cheval ce que t'as dans la bouche. Allô. Ouais. T'as les dents complètement flinguées, mon pote. Bah oui, c'est clair. Ouais. Ah bah ouais, ouais, on dirait Jacouille dans Les Visiteurs. Exactement. Ouais, bah exactement. D'ailleurs, tu vois, t'as des fautes de prononciation à cause de ça. Donc je vais te raboter les dents, t'en arracher deux trois, et puis tu me donneras de l'argent, quoi. Ouais, si tu veux, viens, je vais te payer tout de suite. Ah bah, ce que je fais, c'est que j'arrive, et puis je te ramène dans mon camion, et puis je te passerai la roulette. Non, non, bah, c'est ici, chez moi, direct. Ah, tu veux le faire directement chez toi? T'as deux, trois outils, une tenaille, un marteau et tout? Ah, arrête, te tracasse pas, il y a ce qu'il faut, là. Ah bah, nickel, bah, j'arrive, alors. D'accord. Ah, tout de suite, merci à mon Lolo. Tout de suite. Ah, tout de suite. Et voilà. Bisous. C'était Philippe, hein. Ah, c'était Philippe, bah, je l'appelle Lolo. Bip, bip. Et ça ne le dérange absolument pas. Et vous voyez que le dentiste à domicile, peut-être que ça remonterait les, ça remonterait dans le classement des vas-y, tu vas y arriver. Des consultations chez le dentiste. Voilà, voilà. C'est ça. Voilà, c'est le classement que je vais donner. Allô. Allô, Daniel. C'est Daniel. Oui. Oui, bonjour, c'est le dentiste, Daniel. Le dentiste, et je t'appelais pour ton contrôle bucco-dentaire. On organise ça, là, je tourne dans la commune avec un petit camion aménagé en cabinet dentaire et j'aimerais t'admirer un peu les chicots. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ah bah, les dents, c'est le truc que t'as dans la bouche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ah, les dents, là, le truc dans la bouche qui sont blanches. C'est pour mâcher. Et tu le sais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Les dents, c'est important. Eh ouais. Et les antibiotiques. Mais c'est pas automatique. Mais la voix, putain. Ah bah, c'est le dentiste. Mais quel dentiste? Ah bah, le dentiste pour tes chicots. Pour ce qui est, pour s'il en reste. Et t'en restes combien sur 32, toi? Oh, j'en sais rien. Bah, hé. Plus grand chose à pleurer. Tous les jours, hein. Ah, il en perd tous les jours. Ah ouais, donc ça dépend, ouais. Faut que tu les comptes peut-être pour le début de la semaine, là. Bah, est-ce que je vais faire? Même pas. Je vais venir te voir déjà, c'est le qui reste. C'est tout. Celle qui reste, je vais les coller à la glu pour qu'elle tombe pas. On va sauver ce qu'il y a. Je suis là dans 5 minutes, mon machin. Oui, c'est Daniel. Non, mais qui c'est qui raconte des conneries comme ça? Ah bah, c'est monsieur le dentiste, monsieur Lapince, dentiste. Oui. Monsieur Lapince, il en a une d'ailleurs. Ah ouais, ouais, bonne pince pour tout arracher, là. Clac. Clac. Et hop. Entends le monsieur, hein. Et un coup de roulette. Et hop là. Ah, je suis vraiment dentiste, hein. Ça le rend heureux. Oh oui, ça, je m'en doute. Hop, anesthésie locale. Les dentistes de Fazion, c'est pas ça qui manque. Eh, attends, si tous les Français étaient comme toi, étaient si contents de voir arriver le dentiste, eh ben on rentrait au classement. Ah ben la France aurait des dents magnifiques. Maintenant, vous faites les visites à domicile. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh, je fais ça direct dans ton canapé. Clac, et je t'arrache les chicots. Eh ben écoute, on arrive dans la matinée alors. Eh ben j'arrive avec tout mon matériel et puis mon infirmière. Oui, ça tombe bien, on est pas là. Ah ben voilà. Ah. Ben ça tombe bien, c'est nickel alors. Je viens surtout quand t'es pas là. Oui, bon, non mais qui c'est qui dit qui raconte des conneries? Ah ben c'est le dentiste avec son petit camion là. Eh ouais. Donc on arrive dans notre petit camion, on te souhaite une bonne journée. Derrière, c'est mon assistant. Je lui ai foutu un coup d'anesthésie, Lyon, c'est un peu du gaz hilarant. Ah ouais. Ah. Ça le rend heureux, tiens. Bon, on arrive devant chez toi, on klaxonne et tu sors, ok? À tout de suite. Salut. Ok, Daniel. T'as un client, il est content d'aller chez toi. Ah ouais, heureux comme tout, Daniel. Ok, il est content, Daniel. Il n'y a plus un chicot, mais il est heureux. Bon courage à ceux qui ont un petit rendez-vous chez le dentiste. Ah ouais, bon courage. La dernière fois que Romano a lâché un pourboire, ben c'est jamais arrivé. Oh. Les conseils pas chers sur Skyrock. T'as jamais lâché de pourboire? Non. Oh, quel radin, c'est dingue ça quand quel même. Quel radasse. Ah, je t'amène un café, tu me laisses même pas de pourboire. Ah non. Ah non, bon bah j'amène pas de café. Ah non, mais même dans un bar, ouais, le mec il me sert un café, je vais peut-être pas lui donner 10 euros de pourboire non plus. Non, mais tu peux laisser 20 centimes. Ouais, non, bah, un petit geste quoi. Le mec il a un salaire, hein, il le prend. Voilà, t'as bien compris, hein. Bah, bon, on me laisse pas de pourboire quand je fais les conseils pas chers, hein, donc. Non, mais tu le prends tout seul l'argent, regarde. Ouais. Tu vas donc aller chez qui là? Allez, là on va chez Christian. Chez Christian. Allez, Christian, Christian a peut-être un petit peu de monnaie à te donner. Ah bah, j'espère bien. Bah, là c'est plus que de la monnaie qu'il va falloir parce qu'avec ce qu'il y a débouché. Alors, tu vas donc lui faire croire que c'est bouché vers chez lui, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Les canalisations, les arrivées, les départs d'eau, tout est bouché. Oui. Oui, bonjour, c'est Christian. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Compagnie des eaux et des égouts à l'appareil. Ah, d'accord. Je vous appelais, oui. Là. On va intervenir pas loin de chez vous, là, parce qu'a priori, il y a un problème sur les départs de canalisation qui partent de votre domicile. C'est bouché. Bon, eh oui, c'est bouché, donc on va sans doute être obligé d'arracher les tuyaux et d'en mettre des nouveaux. Hein. Ah bon? Vous avez pas eu de problème, vous, dans les WC, tout ça? Ah non. Ça va pas tarder, a priori. Ah ouais. Et utilisez au minimum, parce qu'il peut y avoir des remontées de matière. Ah. D'accord, oui. Donc évitez de tirer la chasse au moins pendant toute la journée.
Bon, ben d'accord, on essaie. Et vous êtes chez vous, là? On va y être, mais on va chez le médecin, là, donc... Vous partez dans combien de temps? Parce qu'il faudrait que je vous fasse signer un petit papier, comme quoi vous nous autorisez à creuser. Et ben là, on part pour... faut être à 9h. Alors, bah écoutez, moi je peux arriver maintenant là, il est 8h20. Ah ben, si vous voulez, oui. Oui, je vous fais signer le papier et puis il y en aura pour 300 euros. Hein. À vos frais, bien sûr. Évidemment. Mais oui, c'est une connerie. Là. Ah non, non, pas du tout, on va péter les tuyaux là. Je creuse, je pète les tuyaux, je les arrache, je les remplace. Oui. Et après, plus de problème de remonter. Après. Non, parce que là, sinon, ça va tout remonter dans la maison. Hein. Et ah, il va y avoir de la crotte partout. C'est des conneries là. Ah non, non, bah non, c'est pas des conneries. Quand vous serez noyé sous la merde. Non, Monsieur, c'est un cas de force majeure. Ah bah attends. Moi, j'arrive de toute façon habillé avec ma combinaison et mon coupe-tuyau. Et donc, vous me donnez les 300 euros et puis c'est réglé dans la journée. On n'en parle plus. Hein. Vite bon. Fait, bien fait. Ouais, ah bah toujours du travail bien fait. Hein. Voilà. Allez, bon, je viens vous voir. Oui. Oui, avant 9h. Avant 9h, je serai là avant 9h et vous me lâchez les 300 euros, ça ira bien. Voilà. Voilà, à tout à l'heure. Et ben voilà. Eh ben merci monsieur. Et merci de votre coopération. Je comprends pourquoi les plombiers vous faites des sous, hein. Marche bien, les plombiers. Ah bah c'est ça, t'as vendu des pannes, ça cartonne. T'as vendu des pannes, tu changes des tuyaux qui marchent bien et tout. Et hop, c'est parfait. Bravo, Romano. Et félicitations. Hop, one shot. Dans un instant, c'est peut-être à vous qu'on va dire bravo. Il y a l'iPhone 6 à gagner. On va jouer aux 3 en 1. Préparez-vous, ce sera juste après. Mais je vous ai promis Sean Paul. Bah, un bon vieux son de Sean Paul. Écoutez bien. Ça va rappeler des souvenirs à tout le monde. C'est pour nous réveiller ce matin à 8h21 sur Skyrock.